lorsqu'entre ciel et terre se battront mers et volcans. Quand l'archange Gabriel sonnera la fin des temps, je suis l'immortel et qu'importe où je t'attends. Nos chandelles auront brûlé fidèlement. Quand l'hiver si cruel glacera nos océans, je suis l'immortel et qu'importe où je t'attends. Je suis l'immortel. Feu ne me brûlera pas, je ne crains pas de gel. Je suis immortel. Je marche sur des charbons ardents éternels. Fais-tu un essai clinique ce matin pour savoir si la personne qui prend les commandes est bien réveillée? Bon, toi, c'est 3 sucres. Non! 3 laits, 1 demi-sucre. OK, tu vas dans la bonne route. 3 laits, 1 demi-sucre. On a failli. M'en allais chez Saint-Hubert. Bonjour, oui, bonjour, ça va être un moyen café. 3 laits, 1 demi-sucre. 3 laits, 1 demi-sucre, ensuite. Avec un moyen. Un sucre, une crème. Un sucre, une crème, ensuite. 2 beignes, chou, banane, caramel, bacon. Chou, banane? Merci. Non, ça va aller, juste 2 cafés. Ça va juste 2 cafés? Oui, s'il vous plaît. Ça va
C'est un demi-jour au moins. Oh, my boy. Hé, hey, mon Dieu, j'ai-tu de l'argent? Chou banane! J'ai juste regardé, c'était pas... Souriez, vous êtes à la caméra. Là, ce matin, Dani, il y a plusieurs étapes pour la réalisation d'un album. Bien sûr, vient l'inspiration, l'écriture, la mélodie. Là, après ça, on tombe dans la réalisation-production. Et là, tu vas nous partager, en fait, une des étapes pour réaliser ton album, qui est la pochette que tu fais faire, en fait, chez TNT Atelier. Oui, on avait eu quand même passablement de discussion sur le concept. OK. Ce matin, ils sont supposés d'arriver avec, les deux, trois trucs qui ont été retenus là, pour nous présenter ce qu'ils veulent faire final. Faire okay. confiance, c'est une équipe dynamique, puis c'est le fun. C'est encore une belle équipe. Puis très, très content de s'être associé avec eux. J'ai ramené plus d'un bateau à la dérive. Je suis le capitaine, je commande mon propre navire. Et voilà! Salut! Salut, les filles! Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ah oui! Salut! Salut! Curieux! Ah oui, ça se passe bien! Ouais! Je regarde les étoiles, les navires du côté de la brise. Et dans mon cœur, je suis seul à décider qui monte à bord. Qu'est-ce que j'avais dit qu'on a quitté la soirée, Dani, en arrivant? Ben, les quartiers, c'est la chaise, Dani. Ouais. Puis, les autres sont là, ils vont se mettre debout là. J'ai dit non. Est-ce qu'il rappelle il va avoir sa chaise, il va s'asseoir bien égal, bien à côté. Je suis contente que vous soyez là ce matin. J'ai plein de belles choses à vous montrer. Comme on s'était parlé la dernière fois, Dani, on s'est parti du fait que tu voulais produire une cassette pour créer un univers visuel vintage, un peu à la old school. Donc, ta photo. On va la traiter probablement en sépia, vraiment très contrastée, usée à la limite pour que ça fasse un peu vieillot. On a travaillé pour que la lumière ressorte aussi, pour que ça ne soit pas juste un côté sombre. Ok, c'est une première ébauche des photos retouchées, vraiment pour que la lumière ressorte du côté de ton visage, pour que ça fasse moins dark, plus joyeux. Plus bon matin, comme oui. Oui. Okay. Puis là, on avait les deux concepts, sauver sa peau, bon matin. Je pense qu'on va s'enligner un petit peu plus vers sauver sa peau. Oui. Je pense que c'est plus représentatif de l'album. C'est plus représentatif de la photo et de l'album. Aussi, ouais. La photo, effectivement. Ouais. Pourquoi le choix, dans le fond, Dani, on s'arrête plus sur sauver sa peau au lieu que bon matin? Parce que, dans le fond, si les deux noms sont là, c'est sûr qu'il y avait... Oui, bien, la ligne directrice de l'album était plus basée sur le fait que j'ai passé un moment de marde dans la dernière année, là. J'avais écrit à l'intérieur du générique, à l'intérieur des remerciements, puis, j'avais écrit une phrase qui disait « J'ai passé les moments les plus difficiles de ma vie dans la dernière année. Je me suis accroché au vieux dicton « L'heure la plus sombre vient souvent avant l'aurore. Bon matin. Okay. » On s'est questionné sur la pertinence de dire est-ce que bon matin, c'est trop happy, c'est trop. Trop joyeux par rapport à la photo puis par rapport au ton de l'album. Au ton de l'album en général. Là, la critique de vous deux aussi, ça l'a quand même. Ils l'écoutaient en boucle, eux autres, pendant qu'ils travaillaient là-dessus. Fait que moi, sans je trouve cesse. Que eux autres le recevaient pour la première fois. Fait que je trouvais ça important de prendre leurs opinions aussi au travers de ça. Rappelez-vous des années 90 quand on allait veiller. Dans notre temps. Je suis content, c'est toi qui avait 40 ans, je suis capable de dire cette phrase qui tue. Dans mon temps, au Lascar, il y avait tout le temps un slow colleux. Pour aller, la fille que tu avais spotée toute la soirée, tu étais capable d'aller la voir et de l'inviter à danser. Une bouteille à la mer de tes yeux qui s'éloignent. Et sur ma joue ruisselle une larme de champagne. J'ai traversé les quais en priant tous les vents.
qu'il caresse tes cheveux en te chantant doucement. Bel oiseau migrateur, j'ai froid de tout mon corps. Je m'habitue à l'hiver, mais le sud est mieux encore. À toi le feu qui brûle mes espoirs à distance. J'aimerais entendre qu'on va se revoir sans nuance. Traverser ton cœur à la nage sans méfiance. Tracer sur le sable de tes plages mon nom en silence. Bel oiseau migrateur, j'ai froid de tout mon corps. J'm'habitue à l'hiver, mais le sud est mieux encore. Ton rivage t'a ouvert la porte de ma cage. Heureux la pluie de l'orage, j'aperçois presque ton visage. J'écris un livre à ton image pour pouvoir lire les lignes de nos pages. Bel oiseau migrateur, j'ai froid de tout mon corps. Je m'habitue à l'hiver, mais le sud est mieux encore. Bel oiseau migrateur, j'ai froid de tout mon corps. Je m'habitue à l'hiver, mais le sud est mieux encore. 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 Dit le soleil au bout du ciel. Pas de journée pareille quand tu trouves la vie belle. Bon matin, dit le soleil au bout du ciel. Dans la teinte, celle-là me plaît plus. On dirait que je viens de passer une nuit blanche un petit peu plus, celle-là. Oui, quand c'est dans l'écriture et le concept, ça c'est super. Puis on est dans le vintage, dans le sépia. Donc, tu sais, l'écriture très, très solide. Oh, okay. Il y a une chanson qui s'appelle « À l'encre bleue ». Et on est dans le... Qui a fait ça, excuse-moi? Ah, c'est moi. C'est toi? Oui. Okay. C'est pour représenter des griffons qu'on fait dans un cahier de notes, un cahier de chansons qu'on peut écrire, un vieux cahier de chansons. On écrit souvent on dessine des griffons avec un stylo à l'encre bleue. Donc, chaque est-ce que tu chanson l'as est représentée. À l'encre bleue ou c'est là, c'était imprimé? C'était imprimé. OK, c'était imprimé. Au départ, ça a été fait aussi. Mais ça a été fait à main levée. À main levée, là. Oui. Okay. À main levée, voilà. Madagascar, c'est le fameux renard qui est représenté ici, okay. Le renard rusé. Lucifer pleure à soir. Les larmes, un peu diaboliques. Avec le feu, bon matin, représenté par le soleil, parce qu'on en parle beaucoup dans cette chanson-là. Et tous les petits griffons comme la flèche pour la cassette indiquée où est-ce qu'on ouvre la clé USB est faite également. Pour pas que personne se trompe. Pas que personne mette ça dans un lecteur cassette, exactement.
Au lieu d'être noir, d'un beau noir clean comme ça, ça va être un peu usé, scratchy. Oui, on aime ça. Oui, 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 oui. Ouais, comme si c'était déjà usagé, usé. Ah, c'est super bon. Sauver sa peau, l'écriture... une écriture à la main. À la main, mais masculine en même temps, tu sais, pas trop dans la délicatesse. OK, est-ce que t'as... Oh, c'est magnifique! Ouais. Alors, on a gardé le bleu. T'as mis les dessins tout de suite aussi? Oui, à côté des chansons, il y a les dessins qui sont représentatifs de cette chanson-là. Tout le texte a rentré, ça a été un défi, mais c'est lisible. Ouais, c'est bon. C'est ça qu'on voulait. À cette grandeur-là, c'est pas pire. La vieille feuille de cahier d'écriture, on l'a mis plus pâle aussi pour pouvoir faire ressortir le texte, pour pas que ce soit... qu'on puisse bien lire, mais qu'on sente quand même une texture de vieux cahier. Cool. Un album, c'est sûr que la première affaire, bien, c'est le feeling avec l'artiste. On le perçoit, puis on parle avec un peu. Mais après ça, bien, quand il s'en va, on écoute son album vraiment... Dès qu'on fait notre première maquette, on écoute pour se mettre vraiment dans l'ambiance, dans l'univers. Vous êtes agréable d'avoir un projet comme ça qui demande, dans le fond, de plonger davantage complètement dans la réalisation là, c'est très inspirant. Production, c'est sûr. T'es entré dans l'univers de quelqu'un pratiquement là. Est-ce que vous en faites souvent? Est-ce que vous avez des commandes? C'est ça qu'on dit. Est-ce que je suis votre préféré? Ouais. Notre client ici présent sera toujours notre préféré. Merci beaucoup. C'est fantastique. C'est approuvé 100%. Merci beaucoup. Excellent. Merci à toi. Merci à vous deux. Oui. Ouais. Beau travail. Comme un instinct survie qui différencie le vrai du faux, les sourires en coin. Tranche la chair comme un couteau. Je garde en moi une peur sans nom, un sixième sens qui me fait pas défaut, comme un ange envoyé sur terre pour me garder tout un morceau. Il faut que tu sauves ta peau, me rappelle l'écho. Il faut que tu sauves ta peau.
Puis là arrive la voix. Le show de télé, la le voix. Le show de télé. OK. Travis qui chante la toune à Eric, qui roule la radio Énergie, puis l'autre qui chante la toune de l'autre. J'ai dit, ça peut pas être sérieux, là. Ça peut pas être sérieux, ça peut pas être juste à cette gang-là qui font rouler. Voyons donc, ça fait pas de sens. La culture musicale. Puis là, un grand réveil. Moi qui avais rempli l'espèce de bottin pour avoir une subvention épais de même de paperasse que tu pognes mal à la tête, rien qu'à regarder, qui a jamais d'argent dans les coffres. Il y a des acronymes à plus finir. Tu dis, bon, ben, gars. Gars où est-ce qu'elle est l'argent? Gars. Subvention de Musique Action, Patrimoine Canada, Jeunesse Volontaire. Et voilà, crédit d'impôt de. Si un gars comme Éric Lapointe, qui a la machine la mieux huilée au Québec, puis je le dis pas péjorativement, que publicitairement parlant, côté marketing, les bons coups comme les mauvais coups sont récupérés de façon extraordinaire par son équipe, que tu es capable de passer ton show, t'as un show de hit, là. Mm. Dire, c'est déjà un immortel au Québec, là. C'est une légende, ça va rentrer comme les Charlebois, comme il s'en va là au temple de la renommée, là. Si ces gars-là sont pas capables de produire leurs albums... Ils vont encore chercher dans ces... Des subventions. Et voilà pour... Oublie Danny Sauvageau, là. Ouais. Parlons pour Amé Paquette, parlons pour Danny Leclerc, parlons pour Cynthia Harvey, parlons pour comment d'autres au Québec qui auraient besoin... d'un 2000$ pour financer son mixage, pour que ça sonne bien. Jamais d'argent. Jamais d'argent. Je t'en ai sorti un, je pourrais t'en sortir 10. Ces artistes-là ont tous encore droit à des subventions. Puis nous autres, on est capable de faire ça avec notre petite paye. À se faire un prêt, petit d'un fois à limite, pour être capable de produire nos propres affaires, qu'on se fait claquer à porte au nez pratiquement par les festivals. Ça se peut pas. C'est un cancer qui ronge la culture. Qu'est-ce qui nous dit que les gars de l'Abitibi, que les gars de la Beauce, que les gars de la Côte-Nord n'auraient pas des choses intéressantes à dire pour le Québec comme auteur, compositeur, interprète? À la limite, moi, le gros concours de la voix pour présenter des belles voix du Québec, je serais pour. Mais ouvrez valve au moins pour les auteurs, compositeurs, à dire « Envoyez-les vos tounes ». Puis à la fin, les finalistes choisiront une toune parmi les 1000 qui auront été envoyés. Au moins, ils nous balanceraient une petite miette. Mais dire, ça n'a pas de sens. Tu présentes un concours au Québec en présentant juste des choses d'ailleurs. Tu présentes des voix. Puis en finale, le cadeau, c'est de chanter une toune qu'ils n'aiment peut-être même pas. Ça leur semble peut-être pas. Pour faire rouler ceux-là qui sont déjà les millionnaires. Mais dire, c'est quoi le prochain step? Je reproche ça à l'industrie parce que le côté culturel musical serait tellement fort au Québec. On est ouvert à la culture mondiale. Il y a des gens qui pourraient arriver avec des tempos, des rythmes de l'extérieur qui pourraient... Ils pourraient avoir une fusion avec la musique québécoise. Comment veux-tu te créer des idoles comme Metallica si en français puis au Québec, t'es même pas capable de donner une vitrine à ces personnes-là. Et ça fourmille tellement. Il y en a partout. Partout. Puis c'est bon. Oui. Je veux dire, tu vas au coup de grâce, ça s'imprime, tu te dis, mais oui, mais c'est donc ben okay, c'est ça. Et tu vas acheter l'album, tu te dis, comment ça se fait? Je peux pas croire qu'il y a pas de fenêtre, qu'il y a pas d'ouverture pour ce monde-là. Je trouve ça égoïste de dire... qu'un gars comme Michel Rivard s'en aille se lamenter, tout le monde en parle, que là, il coupe des subventions parce qu'ils veulent pas y en donner pour faire son album avec l'Orchestre symphonique qui va refaire rien que des tours qui ont déjà passé 1 million de fois. Mon Dieu, gardez-les, ce marché-là. Moi, j'en veux pas. Gardez-les toutes, puis restez là. Moi, je pense qu'il y a un... Il y a peut-être une autre... Il y a un réveil qui va se faire, ouais. Pour toutes les autres autour. Si dans mon passage sur Terre, dans la musique, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou dans la musique en général au Québec, je pourrais être un des pionniers qui aura donné le son de cloche à dire « Arrêtez de vous en aller par là, il y a rien. Venez par là. » Je serais content. Je serais content.
on lance un album. Exactement. Prochainement. Puis ça, c'est la preuve que ça se fait, que ça existe, que ça se peut de s'autosuffire. Puis de se produire. Puis de se produire. Et là, tu vas le diriger vers ce nouveau sentier-là? Oui. Oui. Définitivement. Une toune de 8 minutes, là, si tu en as une, là, t'as le droit de la faire. Arrête-toi pas de composer ta toune en fonction d'aïra pas aux radios. Parce qu'il n'aïra pas pareil. De toute façon. L'essayer, ça. Aïra pas pareil. Fais-toi pas dire, tu sonnes pas radiophonique, on peut pas te passer. Ils te passeront pas pareil. C'est aussi niaiseux que ça. Fait que, voilà. Gardez votre marché. Il n'y a pas de place. On va créer le nôtre. Il faut que tu sauves ta peau. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, en s'assurant tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne. Et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous.